On voit ton porridge que je le monte de minutes avec Rizio à la fois. Vas-y, c'est bon, je vais le retrouver. Je rappelle, hein, je suis désolé, mais Snap n'a pas pu se libérer de son. Oh, aïe aïe aïe, Buzzy Man. Non, non, l'emploi du temps chargé. Parce que, ouais, les gars, pendant que passez vos journées sur vos ordi, bah, Snap il a une vie offline. Mais les mecs. Ouais, mais. La cacabox, c'est secondaire, mec. Il n'y a pas que ça à foutre dans la vie. Ah, ça charbonne tous les jours hein, sur la Snap Industrie, malheureusement. Il faut se lever. C'est écrit. Bon, si vous voulez, je le mets à zéro, il n'y a pas de problème. Ça, il va répondre. Un peu mute, là. Attends, ton porridge, là. Oh putain, le porridge. Non, mais. Je vais faire un coup de ciné, hein, ça sera là que j'enverrai les trucs. Alors, du coup, on va faire une pompe. J'ai pas grésillé, là, depuis tout à l'heure. Non, quand même. Okay, non. Zéro grésillement. Bon, voilà ce que bouffe le matin et Crisio. Voilà ce que bouffe le matin et Crisio. Donc voilà, si non, vous voulez. C'est affreux. Hein. Vraiment, là-bas, c'était un coup ciné, mais on va juste vanner les goûts culinaires des Crisio. Du coup, on peut parler ciné, là. J'attends. On peut parler un petit peu, là, ciné, s'il vous plaît. Je suis pas de ma chérie pour ça. Non, quoi. Mais sérieux, oh, la banane. La bouillabaisse de merde. Oh, il est de la purée, ton truc, frère. C'est trop bizarre. C'est dégueulasse. C'est du porridge, j'ai plus rien, c'est dégueulasse. Gros, il y a du ciment dans ton porridge, là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu vois, il l'a écrasé comme le raisin avec ses pieds, là, il s'est dit. Bref, je vous explique les jeux parce que je l'ai dit à terrain et pas aux autres. Déjà, il y a dans le quiz ciné, je vais vous envoyer déjà un Pictionary d'acteurs. Donc, en gros, ça va. J'ai des vidéos, enfin des gifs où je dessine un acteur en accéléré et le plus vite possible, celui qui trouve avec les traits du visage et tout. Je suis pas le meilleur dessinateur, hein, mais je me suis bien appliqué. Ouais, ça on sait, ça on sait. Ensuite, il y a film mot de passe. En gros, je vous donne des mots. Je vous donne un mot en premier. Et ça parle d'un film. Vous devez trouver le film grâce aux mots. Et au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus facile. Ensuite, j'ai des questions. Bon, bah, les questions. Et ensuite, j'ai des extraits audio que je vous mettrai. Okay. Hashtag extrait. Ouais. Voilà. Ok, ça part. Donc, je vous souhaite bonne chance. Qui pense qu'il va gagner, là? Juste comme ça. Je pense être le plus à l'aise. Jingle. Oh, d'ailleurs, ça sert à rien. Ça sert à rien de dire la réponse si vous n'avez pas buzzé. Faut votre nom, là, affiché. Ah, faut buzzer. Ah ouais. Ouais. Buzzer après 15 minutes. Non, parce que sinon, tu vas juste donner la réponse au mec et celui qui aura buzzé, il dira la réponse. Et on est d'accord que t'es un bâtard et que, genre, si jamais... Encore une fois, je dis, c'est l'acteur qui joue le premier rôle dans Interstellar. Ouais, non, ça marche pas, non. Tu vas te faire foutre, ok, ça marche. Non. Ok, bon, je donnerai zéro. Je commence par une question. Ok. Préparez-vous à buzzer. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes là? Ok, vous êtes prêts? Attends, mettons ça bon. En émotonnie. Hein. Mais le regarde pas, mon gars. Ouais, regarde pas. Les tricheurs. Wow. C'est les autres, j'ai pas confiance en eux. Vas-y, dites pas la réponse tout de suite. Mais ils trompent, trichez pas, les gars, trichez pas, c'est tout, trichez pas. Mouette, triche pas. Mais pourquoi moi? Je veux pas tricher. Moi, on te connaît. Ok, vous êtes prêts? Ils trichent à 24. C'est une question en deux trucs, il faut me donner. Vous comprendrez. C'est parti. Question numéro 1. En quelle année Al Pacino a gagné son premier Oscar du meilleur film? Et pour quel film? 62, le parrain. T'as pas buzzé. 62, mais fou. 62, c'est deux années. C'est deux points, on est d'accord? Vous... Non, il y a un point pour chaque truc. Ok. Oh oui, vas-y. Du coup, quelle année du meilleur acteur? 75, j'ai pas la date. Non. J'ai donné le film, non acteur. 72. Non, toujours pas. Meilleur 74 acteur, mais... Non, on est super loin. C'est loin là, c'est loin. Là. Piège. Il n'a jamais eu d'Oscar. Non. 83. Ça chauffe. Yes. Ah. 84. Non, mais putain, vous allez faire année par année les connards là. J'en ai aucune idée. T'as dit quoi, Crisio? On n'a pas entendu. Rien dit. À moi, 94. Non. C'est avant. 82. Non. J'ai dit 94, c'est avant. T'es con quoi? 88. Non, c'est plus loin. Ah ouais? Non. C'est 92. Oui! Putain. C'est ma date de naissance. Par contre, quel film? C'est le parrain. Oh non, bah attends. J'ai dit le parrain. Le parrain. 12 hommes en colère.
12 hommes en colère. Il y a 20... Mais qu'est-ce qu'il est con, lui. 12 hommes en colère. 12 hommes en colère. Il y a 28 ans. C'est en noir et blanc. Il y a 28 ans. Ben, Scarface. Non. Bon, vous le retrouverez pas. C'est pas le temps d'un week-end. C'est mais oui, le temps d'un week-end. Jamais entendu parler de ce film. Aucun regret. C'est mais pas si, son meilleur film, hein. Il aurait dû le gagner. Points, j'allais grave trouver, je l'ai sur le bout de la langue. Oh, Théo, mets les points. Alors là, ouais, un point pour terrain. Vous aurez pu marquer 2 points, tant pis pour vous. Oh, mais le film, j'ai entendu pas de ce film. Ok, film en 4 mots, film en 4 mots. Ok, ok, ok. C'est un film, hein. Pas mal. Je l'ai dit, c'est game. Ok, premier mot. Futur proche. Ah. Futur proche, ça me... Ça vous dit rien. Retour vers le futur. Non. Là, j'ai vu le futur, il s'est dit, allez, c'est Blade Runner ? Non. Deuxième mot. 2002. Futur proche, 2002. Attends, c'est les mots dans l'ordre ou bien c'est des indices sur le... Des indices. Dans l'ordre. Ouais. Ah. Je tente la planète des singes ? Non. Pourquoi 2002 ? Pas parce que c'est dans le futur et je crois que c'est l'année du sorti de. Bah, il y en a un aussi, il y a des anciens. Si le premier fait par. Oh, le Epic Fail. Epic Fail, Ratted. Bon, allez, troisième. Alors, attends, non, troisième. Vas-y. Crime. Futur proche 2002, Crime. The Wire. Mais ta gueule, c'est un gros film. Mais ça me. Je rigole, voilà, je sais que c'est vrai. Ouais, je voulais pourquoi Snap ils viennent là. Ça crache au bout de 20 minutes. Relancez. Du coup, on était à... Il te faut une régie, en fait. Oui, bah, j'ai si Rizzo peut venir, sale con, tu vas bosser avec moi. Comment tu l'as appelé, la dernière fois ? Allez, Chorizo. Il savait plus comment il s'appelait. Chorizo. Saucisson Marie-Louise, là, il bosse pour le stream. vas-y, acteur... maintenant, acteur, les gars. Vous êtes prêts ? Ok. On attends, c'est 4 mots ? On fait genre que rien ne s'est passé, ok ? On fait genre... Ouais. Ok, bah, je vais vous l'envoyer sur Discord. Vu que j'ai pas de régie, il faut que j'envoie tout moi. C'est parti. Ce sera au plus rapide. Ah, c'est la photo de l'acteur, il faut qu'on dise qui c'est ? Je vais le dessiner, ouais. Ça, tu vois, c'est un dessin, okay. En gros, je crois que c'est un dessin en speedrun. Faut regarder le live, ok. Non sur la con, on va se la cuisiner. Ah, cliquez sur le gif. Hein. Okay. Ah ouais, ok. Ok. Oh, tu dessines lentement. C'est Leïla, là. On dirait Gad Elmaleh, non ? Le début. Gad Elmaleh, ah, super. Je reconnais super. Pas, là. J'ai pas buzzé, hein. je dis des noms. Hey, il dessine de Niro. De Niro. C'est moi. Oh, c'est le grand beauté. C'est le grand beauté. C'est le grand beauté, c'est le grand beauté. J'avais buzzé en même temps que toi. Mais le grand beauté, en plus, c'est le début, genre. Bah ouais, j'ai pensé... Ouais, mais j'ai pas fait attention. La fin, parce que ça ne me disait rien. J'aurais pu l'avoir, ce point. Pff, ouais, écrit, c'est ça. J'aurais pu l'avoir, ce point. J'ai dit avant moi de la buzzer. J'ai cru que c'était lui. Ok. Moi, je l'assume, je l'aurais jamais eu. Il allait donner un acteur de Riverdale, hein, mais bon. Mais non, mais gros, le grain de beauté, c'est De Niro. Et dire la case des papiers. Hein. Ok, extrait audio, les gars. Je vous donne un extrait audio. Ok. Ouais, si vous êtes malin, vous allez le trouver. Ok, vous êtes prêts ? Ok. Ouais. La planète des singes ? Non. Mais t'es un acteur qu'on t'a donné ? Non, 2001, l'Odyssée de l'espace. Moi, t'es un point, il a trouvé. Oh non ! J'allais le dire en plus. Je croyais que c'est un acteur, je me suis dit, mais c'est tendancieux là, je veux dire, je vais pas répondre. Mais non, c'est pas minute, c'est la fin du live. Ça doit pas être en live sur Twitch là. Ah non, mais ça c'est ton problème, Terra, on est respectueux ici. Et oui. Ok, question maintenant. Question. Next question. 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 Quel film George Miller a réalisé en 2011 juste avant Mad Max Fury Road ? Attention. Oh, il a fait un film en 2011, ce con. Film d'animation, un des films d'animation. Ah, un film d'animation. Ça n'a rien à voir avec Mad Max Fury Road. Rien à voir. Et il est connu. C'est pas du stop motion. C'est pas du stop motion. Il est connu. Je sais pas. Vite fait quoi. C'est un film. Ah, ouais, putain, alors là, je pense que je suis foutu. Hein. 2011, je suis foutu aussi. Hein, je si crois. C'est pas avec Disney, il y a moyen parce qu'il n'y a pas beaucoup. Je savais même pas qu'il y avait un film. Il n'y a pas beaucoup d'animation sur Disney. Allez, c'est là que je l'attends. Pocahontas. Non, non. Antarctique, je vous donne des indices. Antarctique, glace. Ah merde, Big Fit, j'allais dire. Ah, attends. C'est pas loin. L'âge de glace. J'allais le dire. Théo l'a presque trouvé là. Bah, Big Fit 2. Non, c'est pas Big Fit, mais c'est presque ça. Ok, alors moi je le tente.
Les as de la glisse. Mais ta gueule, c'est pas. Je dis que c'est proche de Big Feet. Bigfoot. Non, mais non, mais Big Feet, réfléchissez. Oh non, non, c'est pas ça. Happy Feet. Oui, allez, je te donne mouette, c'est bon. Happy Feet. Oh d'or. Putain, c'est... merde. C'est quoi, ouais, c'est, Happy Feet, c'est le film avec les pingouins là. Oui, oh, c'est merde. D'or, Mad Max, genre. Oh, je l'avais. C'est genre la comédie musicale de pingouins. Comment il est passé d'Happy Feet à Mad Max Fury Road? Bah ouais, mec, c'est comme ça. Tu vois, je passe à des critiques de clips, critiques d'Eminem. Voilà, c'est le talent, c'est juste ça. Putain, le merci le Big Feet. Merci le Big Feet. Tu te compares à George Miller là. Non mais voilà, Happy Feet. Petite anecdote que vous pouvez dire en soirée pour pas mal. Soirée mondaine après le Covid. Pour baiser une cinéphile. Vous savez que George Miller avait réalisé bon baise alors. Non, puis fait comme ça. Hein. Ok, film en 4 mots les gars. Attention. Ok, ok. Film en 4 words. Mot 1. Okay. Bébé. Grim, arrête de t'exciter. J'ai dit juste bébé. La ferme. Bébé. 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 Je sais pas. Baby. Bébé. Ah, Daronet de Grim. Non, mais tentez des trucs, genre, c'est bon. Baby Driver. Non, non, non. Oh. Bébé. Deuxième mot. Attends, comment c'est Baby Boss. Temps. Bébé, temps. Bébé, temps. Time Baby. Ta gueule, ta gueule. Le fils du masque, il a dit l'autre dans le chat. Je cherche le nom de. Bébé destination. Temps. Non. Ouais, attends, ça, bébé temps, bébé temps, bébé c'est... Bébé temps, croissance. Bébé temps, croissance. Benjamin Button. Mais fils de pute, j'avais. Mais oui, mais... Et voilà, j'ai buzz après. C'est pas la tête de formule. Dirty Dancing, mais baissez où vous merde, le chat. Dirty Dancing. Et le quatrième, c'était inversé. Mais je vais pas te donner le titre du film, mais tu veux quoi? Ah ouais, inversé, ça a été... L'étrange histoire, il veut que je le dise, genre. Non, 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 t'es un connard. Ah, trop laid. Ok, acteur Gwes. Ouah, moitié, il a 4 points. Acteur Gwes, ok, balance. Okay, acteur, ouais, il est pas facile, je l'ai pas hyper bien dessiné. C'est parti. Ouais, mais tout pourri, go. C'est parti. Let's go. Let's go. Ah, ouais. Tenter des trucs, hein, au pire. Hein. Alors, on va bien payer un petit temps. Adam Driver. Non. C'est ce gros pif là, c'est tout. Voilà, ouais. C'est Gad Elmaleh là. Non. Oh les chicots. Ah, attends. On dirait que Bojack Horseman là. Qui c'est comme ça là idée, mais il a fait que des vieux. Depardieu. Non. Réfléchis bien, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Attends, un problème. Ah, Bill Cosby. Non, mais. Non. Quoi? Je sais pas, je tente. Attends, là, genre là, fini, Robert Downey Jr. Non, il a eu des problèmes. Regardez bien sa gueule. Je l'ai pas si mal. Comment fait, il s'appelle en train de me dire, hein. Comment il s'appelle Alors, mais là, je vois pas. Polanski. Non, mais. Il a pas été con, Polanski. Epstein. Mais regardez un peu sa tête là. Bah oui. Il a eu des problèmes. Harcèlement. Mais ils ont tous eu des problèmes. Oh, Weinstein. Weinstein. Non. Mais c'est pas un acteur. Mais c'est pas un acteur. Ok. L'acteur de Baby Driver. Il y a pas le nom. Comment il s'appelle? Je sais plus son nom. De baiser, fils de pute. Il y a pas le nom. Hein. J'ai pas le nom. Spicy. Kevin Spacey. Quoi? Ok, c'est bon. Écris-y un point. Non. Grimm, il baise. Non, là, il est en train de dire. Mais j'ai quoi bien fait. T'as dit que c'était l'acteur de Baby Driver. Mais ouais, mais je pensais pas à lui, je pensais au jeune. À l'autre. Ah ouais. Qui a aussi eu des problèmes d'harcèlement. Il y en a beaucoup dans Baby Driver, on l'écoute. C'est la caca box, hein, le tournage. Ok. Extra audio, maintenant. Non, on arrête okay. De dans listen, maintenant. Listen. Il y en a, en fait, vu votre niveau, je me dis, vous allez avoir trop de mal. Je vais devoir dire le nom du film. Ok, si en plus il y en a. Bon, je vais rien dire, sinon ça va trop vous aider. Tiens, t'inquiète. C'est parti. Y'a un gars là-dedans. Et dans les cartons. Mais j'ai entendu, j'ai pas qu'à bras. Et dans le bidon. Oh, y'a rien. Je suis kérouillé là. Merde, non, j'ai pas. Baisse ta mère, il allait dire Spider-Man. C'est Cordurie. Non, putain, Predator. Non, pas Predator. Va voir dans le bidon, je vais mettre assise dessus. Indiana Jones. Non. Je sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Apocalypse Now. Oui, Grim l'a eu. Wow. J'allais dire que tu l'avais vu récemment. C'est quand dans Apocalypse, il attaque le bateau de Vietnamien. Ouais, le petit bateau avec les Vietnamiens, je me rappelle. L'autre qui dit les cartons, fouille les cartons. Un petit accent. Il y avait Cartman surtout qui parlait. Bah oui, c'est sa voix. Et j'ai pris tout en VF. Me faites pas chier les VO fans là, j'ai pris tout en VF, c'est bon. Hein. Non, VF, c'est bon. On les connaît. Non, non. Nos problèmes. Ici, on respecte les comédiens de doublage. Vive la France, on est patriotes.
Ok, attends, j'ai fait déjà deux questions. C'est parti, les gars. Troisième question. C'est parti. Vas-y. Ok. Ok, troisième question. Juste prix. Dans Casino, combien de fois le mot fuck est dit? Casino de Scorsese. 112 fois. C'est plus. Mais il est 128 fois. Non, c'est plus. Mais il est 138 fois. Comment il fait? J'arrive pas à cliquer. Arrête Grim de buzzer là, c'est plus. 174 c'est fois. C'est plus, c'est beaucoup plus. 1200 fois. Non, c'est trop. Oh, il abuse lui. Trop, hein. 213 fois. Non, plus. Je vous donne, je vous l'accorde à 20 près, genre. Genre 530. Non. Mais attends. Moins. Mais Karim Débache le dit dans un chrono. 258 non. Fois. Non, plus. Oui, c'est vrai. Vas-y. Regardez pas le chat, les bâtards. 341 fois, 341 fois. Non, c'est pas ça. C'est plus. 410 fois. C'est bon, Terracidla, c'était 410. C'est tricheur. Je sais pas combien de petits. Je sais que peu, je pouvais j'arrive pas. Karim Débache le dit dans l'émission Chroma sur. Ouais, y a pas que Karim, y a mon chat qui l'a dit aussi. Non, mais j'ai spammé, ça a pas marché. Bah, Grim, mais normalement, il y a un temps de récupération, je sais pas. Oui, pourquoi, y a pas le cooldown. Non, juste, gros, je suis efficace et tout, genre. T'as buzzé, t'arrêtes de buzzer. Non, mais Grim, non, mais attends, on laisse un buzz chacun, genre. Ouais, un buzz chacun, ouais, ok. Ouais, parce que Grim, ouais, je te connais, hein. Je connais. Bah, vous avez mis le point, pas de mal, à, ouais. Terra, vous avez mis le point, Terra. Ouais, j'ai mis. Ouais, c'est bon. Ouais, bon, on le connaît, on le connaît. Enlever des points aux gens. Ouais, sale tricheur. D'où mon point, Terra. Seulement 4 mots, les gars. 4 mots, 4 words. 4 words, like. J'ai pas de ban. Animation. Là, ça commence direct animation. Frank and Winnie. Non. Non. Personne d'autre à. La Lilo Chien. Non. Ah, non. Deuxième mot. L'âge de glace. Non. Deuxième mot. Licorne. Réfléchissez bien. Licorne. My Little Pony. Non. C'est peut-être un piège. En avant. En avant. Non. Le Pixar là, il s'en va. Le Pixar fantastique là. Je crois que la fermer, tu as une claque dans la gueule. Pardon. C'est un mot ça ? Vice versa ? Non. Ok, troisième mot. Bateau. Animation licorne bateau, réfléchissez bien. Toy Story 4. Non, mais pourquoi il y a un bateau ? Tu me fais chier toi. J'ai stressé. Animation licorne bateau. J'ai mis des mots qui ont un sens, Grim, tu comprends ? Il n'y a pas un truc Noé, je sais pas quoi. Non. Qu'est-ce qu'il raconte, non. C'est pas l'animation, c'est pas l'animation. Attention. L'île au trésor. Non, attention, là, je vais dire le mot qui va... Il va falloir buzzer. Spielberg. Animation licorne bateau Spielberg. Bah, je sais pas, en fait. Non, c'est je l'ai. Ah. Et Tintin et le secret de la licorne. Ouais, vas-y, c'est bon, Théo là. Ah, Théo, le tricheur. Je vous ai baisé avec licorne, là. Ouais, complètement. Moi, je pensais à une licorne, il y a un truc d'enfant, là. Tu l'avais, ou pas? Bah, ouais, je l'avais. Moi, je l'avais pas, je pensais à AI, intelligence artificielle. Ah, rien à voir, du coup. Mais c'est pas animation, je sais, c'est un truc qui niquait, je suis en mode, mais pourquoi animation? Mais c'est Tintin. Ça se passe dans mon chat, c'est bon, on a compris. T'as mis 10 minutes pour là. Ok, troisième. C'est Tintin, je vous dis. Troisième visage acteur, c'est parti, je vous l'envoie. Ça part. Oh, ça va être dur, wesh. Merde. Ça charge, merde. Oh là, il y en a plein. Oh, oh. Non, c'est... Tom Holland. Non, mais c'est toi gueule. Mais toi gueule, pas Tom Holland. Oh, le petit pif. Ah, il a galéré à faire le pif. Jack Nicholson. Il était pas facile. Non, pas. Mais jamais il a un regard comme ça, mais vous abusez là. T'as vu, du cri, wesh. Harvey Keitel. C'est un portrait robot, on retrouvera jamais le criminel. Hein. Les gars. Tom Hanks. Français. Dernier indice. Oh, si je l'ai. Jean Dujardin. Putain, il c'est Grisio qui est là, Jean Dujardin. Il était pas si mal. Oui, une fois qu'on sait que c'est français, on voit. Arrête la barbe, ça va. Vas-y. Moi, je vois pas où est 117. Après, tu fais le coup ciné, on va voir ce que tu dessines, sale con. Attends. Ok, c'est parti. Ouais. Vous avez mis le point écrit parce que je connais le boycott. Ouais, je l'ai mis. Il a deux points. Il s'ajoute deux points depuis 10 minutes. Hein. Il a 8 points là. Qu'est-ce que j'ai là? Je vous mets un petit. Allez, celui-là. Petit extrait. Celui-là, c'est parti. Je vous trouve bien gênant pour un gardien de la sécurité. Désolé, Hans, vous avez perdu. Il y a erreur sur la personne.
mais vous avez droit à une Die-Hard. Allez, trop fort. Mais, ah, mais oui, la VF, c'est sa VF. Il allait dire Yippie-Kai, pauvre con. Yippie-Kai, pauvre con. Un homme, un petit rouage qui grippe. Un homme. Ah non, merde, je l'ai pas mis. T'as bien bravo, bravo, terrain. Je vois qu'il y a du cinéma dans l'air. J'en dirai pas plus. Ok. Quatrième question, les gars. Oh putain. Quatrième question. Let's go. Sur quelle planète Luke se rend-il pour rendre visite à Maître Yoda, la planète Naboo. Non, pas Naboo. C'est dans le 1. C'est que ça. La planète Jedi. Mais besta, vous n'avez pas la planète. La planète Yoda, man. Tatooine. Mais... Oh, vous avez... Ah bah, t'as rien, t'as dit quoi, moi? T'as dit quoi, moi? J'ai dit Tatooine. Non, c'est pas Tatooine, non, c'est la planète de sable, ça. Oh, vous avez... C'est... Je sais. Je me rappelle plus. Xénon. Ça commence par D, ça commence par D. Dango. Non, je l'ai. T'as pas dit entièrement. Je l'ai. Dagobah. Voilà. Mais quoi, mais... Je l'ai dit, ouais, j'ai dit Dago. Mais t'as juste dit Dago, frère. Théo, là. Vas-y, frère. Non, vous avez dit Dagobah, c'est un film culte, quand même. Oh, merde. Allez. Et moi, je connais que Tatooine, gros. Pas face de Star Wars, par ici. Attends, c'est une autre question, parce que, du coup, j'ai pas assez de films. Je suis dernier, là. Je suis dernier, non, c'est sérieux. Ok, autre question. Ouais, c'est ça. T'es trop nul. Autre question, les gars. Avant de tuer sa femme, dans quel rôle important O.J. Simpson aurait pu jouer? Rôle iconique. Dans quel rôle il aurait pu être... Oui. Putain, je attends, je l'avais vu, l'anecdote. Avant de la tuer, c'est-à-dire il aurait pas tué, peut-être. Le parrain. Mais ta gueule, toi, avec ton parrain, tu me fais chier. Imagine, regardez bien la musculature d'O.J. Simpson, film... Attends, je tapais ça. C'est là que c'est des années 80. Ouais, on peut regarder son visage ou pas? Mais c'était le footballeur américain. Mais tu sais même pas qui c'est, en plus. Grim, c'est... Mais si, je le connais, juste, j'en fais plus sa tête. Un footballeur américain, il est musclé, voilà, il a tué sa femme. Bon, allez, je vous donne un disque Cameron. Un disque Cameron. Ok, Incredula. C'est un tricheur. Je vous jure qu'il a tapé O.J. Simpson, il a vu Terminator en première recherche. C'est un tricheur. Il aurait pu jouer dans Terminator. Oui, voilà, merci. Il aurait pu enfin tuer des gens sans venir au tribunal. Légalement. Je le vois mal dans Titanic, donc ouais, effectivement. Ouais, j'avais... Troisième. Je vous fais une troisième question. Are you ready? Troisième. Yeah. You're ready. Oh my god, let's go. Le nom du réalisateur qui a fait le remake US Dollboy plus le nom de l'acteur principal. C'est deux points. Ah. Guillermo del Toro. Ta gueule. Il est pas US, enfoiré. Le remake US Dollboy. All Boy. Ah, c'est elle, il y a eu un remake. Il y a un remake US. Ouais, il était vraiment pourri. Moi, jamais vu. Je sais pas. Attends, de Hellboy Hellboy ou All Boy? All Boy. Ah, j'ai dit Hellboy. Ok, bah je sais. Non, j'ai Je vais donner une autre réalisation sur Réal. Renoir. Indice Renoir. Réalisateur Renoir. Jordan Peele. Non. Ah, comment il s'appelle? Je tente. Vas-y. Je vais tenter aussi. Spike Lee? Oui, oh, putain, c'est bon. J'allais dire Spike Lee. En plus, j'allais dire Spike Lee. Il peut tenter l'acteur. Là. Acteur, il a joué dans Sicario. Benicio del Toro. Benicio del Toro. Benicio del Toro, oui. Non, pas lui. Pas lui. Josh Brolin. Oh, Grim l'a eu. Oh, oh bah, t'as ajouté des points, Théo? Un point Terra, un point Grim. Ah ouais. Putain, bien joué. Merci. Putain, bien joué. Putain, j'ai déjà fait. Ok, film en 4 mots, les gars. Four words. Ta gueule. Vous êtes prêts? Are you ready? I am. Concours, déjà. Premier mot, concours. Personne là? Film de concours? Concours. Première année. Attends, je tente. Non, c'est moi qui tente. Little Miss Sunshine. Va te faire enculer. Il l'a eu. Va te faire enculer. Yes. Oh, en vrai, ça mérite deux points. Ça mérite deux points, Théo, parce que tu. Oh, c'est beau. Non, j'allais dire. Grand voyage, famille Miss. Dès qu'il a dit Little Miss Sunshine, il va te faire enculer. Il a buzzé. Je savais que c'était ça. Il a buzzé. Mais moi aussi, je savais. J'étais en train de spammer ce putain de bouton. Moi aussi, j'ai spammé. Théo, la trouvé avant. Je savais que tu l'avais, frère. Donne un point, là, chien, là. Il fait ses règles. Non. Eh oh, merde. Putain. Ça marche pas, mon autorité. Ah, le coup de gueule. Ok, phase d'acteur. Are you ready? Ok. We are. Je trouve que je l'ai plutôt bien dessiné. Normalement, ça va être facile. Ok. J'ai peur. Attends, merde, faut que je fasse un truc avant. Faut que j'enlève film. Hop. Vous êtes prêts? C'est parti. Ouais. On est prêts. Je l'upload. Il est plutôt... ça, je l'ai bien foutu, vous allez voir.
Là, vous allez. Vous l'avez pas, là. Je l'ai pas, là. Je dessine. Ah, attends, là. Non, non, arrête, tu vas voir. Oh, si. Oh, il me dit un truc. Oh, il me dit un truc. Il me dit un truc. C'est pas en français ? Non, c'est pas en français. On dirait que c'est pas fait pas ça, là. En tout cas, il est pas très beau. Il est ténu. Ah, Tom Hanks ? Oui, Tom Hanks, Théo l'a eu. Quoi ? Ah ouais, non, je pensais pas. Alors, arrête, les yeux, les yeux. Non, c'est les yeux, pour de vrai. Arrête. Aucune idée, arrêtez. Tom Hanks, les yeux, non, mais arrête. Non, rien. Non, mec. Il a pris 20 kilos de plus, là, Tom Hanks. Là. Mais comment je grossis tout le temps mes acteurs, c'est tout. C'est ma patte, c'est ma patte. Bon, il y a un mec dans ton chat, il a mis Wayne. Lil Wayne. C'est Lil Wayne. Eminem. Ok, autre acteur, préparez-vous. Allez, ça part. Hop, c'est parti. Celui-là, il est facile, en plus, c'est vraiment sa tête iconique. Regardez bien. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Al Pacino. Bon, bien joué. Ouais, c'est la coupe. Ouais, c'est la coupe. Ah bah ouais. J'ai vraiment pris sa tête classique, là. Ouais, non, bien fait, bien fait. Ouais, bien fait, hein. Bien fait. Hein. C'est ouais, solide. Ouais, le final était bien fait. En compte, j'ai mis Grimm dans les acteurs. Hein. J'ai mis la tête de Grimm. Il y aura un face reveal ce soir. Non, mais. Ok, extra audio. Donc là, je me fais niquer par Théorus. Okay, la honte. Hein. Voilà. Ok, listen, guys, listen. Extra audio. Ok, elle est facile. Ah, je suis là, ça. Elle est facile. C'est ça, il y a box, là. La chute ? Non, la chute, mais baisse ta mère. Tu te fous de ma gueule, là. La haine. La mouche. La mouche. Vous l'avez pas ? La ligne verte. Mais vous entendez pas le début, là ? Bah, il pète. Et donc, un film où il pète ? Mais attends, Orange mécanique. Non, il veut... Attends. Pousse-toi, Mouette, pousse-toi. La soupe au chou. Voilà, putain, merde. La soupe au chou. Oh, j'ai oublié. Je mets français, je mets ce que je veux. Merde, attends, c'est mon questionnaire. Mais lui, je croyais que tu faisais une blague. Il y a un putain de P, genre, il se fout de notre gueule. Oui, j'aurais pu piéger, mais la chute, mais quel rapport, c'est le film avec monsieur. Avec Hitler. Monsieur H. Ah, un effort pour ne pas dire le mot, il dit le mot. Mais non, mais c'est énorme. H, la série, là. Tu sais, là, c'est. Ouais, avec Jamel. Parce qu'il fait trop chaud. Ok, c'est parti. Question 7. Septième question. Prêt ? Ouais. Ok. Dans Le Seigneur des Anneaux, quel est le nom du roi du Rohan qui apparaît dans deux films ? Le nom du personnage ? Sauron ? Non. Mais ta gueule, le roi du Rohan ! C'est pas si simple, c'est pas si simple. Aragorn ! Non. Mais arrête de buzzer, Grim. Grim, arrête de buzzer. Isildur ? Non. Je pensais qu'on avait un fan du Seigneur. Bah là... Bazarga. Non. Non. Ah mais si avec Galadriel ! Pousse-toi, casse-toi, casse-toi, Grim. Dégage de là, Théoden. Oui, Théoden, t'es là. Mais bon, il a vu 8 fois la trilogie version longue. J'allais dire comme indice le pseudo de Théo, j'allais dire comme indice. Super. Ah oui, c'est pas un pseudo quoi. Gros indice quand même. Bon, Grim, va falloir arrêter de lire le chat par contre, tu m'énerves. Mais quoi ? Dis Galadriel, frère. Par contre, Grim écrit à plus de points que toi, juste pour te dire. Mais parce que c'est un tricheur, c'est un tricheur. Comment ça, tu peux pas tricher ? Mais là, mais t'es pas tité. Terra, il vous domine. Hashtag merci écrit. Je n'ai aucune question sur Marvel, Théo. Aucune question sur Marvel, bouffon. Ok, question 8, je sais même pas c'est quoi. Je vais la lire. Quel âge l'Orange Fistburn, donc Morpheus, avait sur le tournage d'Apocalypse Now ? L'âge qu'il avait, il était censé être majeur. 16 ans ! Non. C'est majeur, hein ? 15 ans. Majeur, non. Hein ? Non. Non, il est vieux quand même, donc je dirais un peu plus vieux. 19. Non. Il était censé être majeur, t'es con quoi ? Mais majeur en français ou majeur en Disney, connard ? 21. Il était censé être majeur ! Il était plus jeune. 17 ! Non. Non. Ah oui, putain. Non. Bah 20 du coup. Non. Toujours pas. Non. Moi je suis Google. 14. Ok, c'est bon, elle l'a eu. Elle est dire 14. Vous avez du tout. Oui, il était jeune. Ils sont arrêtés à 15, je me suis dit ils vont descendre à 14. Par contre, attends, faut que je regarde la gueule qu'il a parce que c'est un gros, il est 14 ans. Après, il est super jeune, hein. Moi j'ai eu les réponses de Google, hein. Après c'est peut-être 15, peut-être avec les papiers, j'en sais rien. Non mais attends, mais il était vraiment jeune. Mais là, je pense, mais ouais, il a de la moustache et tout. Non, mais
je pense qu'il a fait exprès Coppola pour mettre en mode il y a des soldats qui étaient trop jeunes pour aller à la guerre. Genre. Ouais, qui s'engageaient alors que. Là, il a pas 14 ans. Il a pas 14 ans. On sait pas, gros, il est mort. S'il a une bonne tête de jeune, arrête. Il a une bonne tête de jeune. Il est petit, hein, dans le film. Il est jeune, mais. Non, mais 14 putain, ans, dit, j'aurais dit 16, 17, là. J'aurais pas dit 14. Ouais, hein. Après, Laurence Fishburne, il a toujours une gueule à lui, quoi. Pas comme Grimm. Sa fille a tourné dans un porno d'ailleurs. Voilà, petite anecdote. Et la fille de Spielberg tourne dans des pornos aussi, si vous voulez des anecdotes pour les voilà, soirées. Voilà, anecdote CCB, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Tu sais que la fille de Spielberg a tourné dans un porno, tu veux baiser avec moi pour faire comme elle On arrête la soirée, on va chez moi. Ouais, question 14. Non, 9, okay, okay. Pardon. Ouais, tu vas vite là. Dans Le Prestige de Nolan, quel chanteur célèbre interprète le rôle de Nikola Tesla ? David Bowie. Oh putain, putain, il va te faire foutre. Oh, oh, en plus, j'allais dire Bowie. J'allais dire Bowie alors que j'ai pas vu le film. T'allais dire Bowie. T'allais dire Gainsbourg, non, mec. Non, j'allais dire Bowie. Renaud. Nikola Tesla. Les chapeaux dans le jardin, putain de merde. Bien joué, Mouette. Tu l'as mis son point, Théo, t'es sûr que tu mets oui, des points? Oui, je l'ai mis, je l'ai mis. Il a pas mis. Je l'ai mis, je l'ai mis. Si, si, il me l'a mis. Oui, on l'a mis. Ok, t'as visage acteur. Visage acteur, on la vache. Au 5. Au 5. Attends, ah, visage acteur, ok. Ouais. Ok, c'est ouais. Parti. Celui-là, je sais pas c'était lequel, mais on va voir ça tout de suite. Hop, c'est parti. Attention. Ça charge, c'est bon. Attends, j'ai le même. Mais c'est le même. Al Pacino. Regardez sur mon live. Quelqu'un sur mon live là. Attends, je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer. L'envoyer, je vais l'envoyer. Ah, tant pis. Ok, on regarde. DiCaprio. Je suis en plus. Il triche là. Les cheveux, j'avoue. C'est la coupe. Non, pas DiCaprio, non. C'est pas DiCaprio. Oh, Matt Damon. Non. Ah, non, c'est un pio aussi. Attends, je regarde le juste. Mark Wahlberg. Dégagez-vous, pardon, excusez-moi, je voudrais baiser Joaquin Phoenix. Ouais, ouais, tu l'as reconnu. Oh, oh, t'as vu la petite truc que j'ai fait à sa bouche là ? Petite taillade. Ouais, c'est pour ça quand tu l'as revu. Ouais, ça va, il est pas si mal fait. Oh non, je l'ai bien fait. Non, il est bien fait. T'as fait son petit bec de lièvre. On fait un autre face. Attends, ah, ok. Vérifie que c'est le bon parce que si je m'en retrompe, c'est un peu chiant. Ok, préparez-vous. C'est parti, let's go. Alors, vous l'avez ? Attends, vous l'avez attends. Comment il s'appelle ? S'appelle Louis de Funès. Oh, oh là là là. Attends, oh mais oui, bah, oh, il est chaud. Je l'ai bien fait, hein. Je l'ai bien fait, arrêtez. Ouais. On le regarde jusqu'au bout, allez. Allez, pour la beauté du geste. Oh, le menton ! Bah, gueule, j'ai trop bien fait. Mais il a un menton comme ça, hein. Je l'ai bien fait. J'espère que j'aurai cette gueule à 80 ans. Non, bien fait, des, mec, bien des fait. Films sur le prout et Rabbi Jacob, là. Extrait audio, les gars. Écoutez bien. Qu'est-ce que j'ai comme extrait audio à vous donner là, hein? Oh, celui-là. Attends, je vous en donne un facile. Quoique, je suis même pas sûr. Partez. Pour une fois dans ta vie, ça te tuerait de répondre au téléphone. Aidez-moi sortir Aladdin. Non. Elle dit Aladdin là? Oui, mais c'est la voix de Robbie Williams. Pas que Robin Williams. Ah bah Williams. Oui. Écoute, c'est Robin Williams. Ouais. Écoute bien. Oh. Independence Day. Non. Remets. Attends, parce qu'il y a la voix de. T'as pas entendu à la fin. Predator. Non. Predator. Écoute bien là. Poussez-vous. Jurassic Park. Oui, Jurassic Park. Mais oui, mais non. C'est la voix de Goldblum. Sa grande. Mais oui, Jeff Goldblum. Contre, qu'est-ce qu'il a dit Robin Williams, rien à voir en plus. Bah si, la voix de Robin Williams, c'est celle-là dans. Ouais, parce que le doubleur, il fait plein d'autres acteurs aussi. Ouais, c'est un doubleur inconnu. C'est pas du tout la principale de. C'est un malade mental, lui. C'est le con. Il est bourré. Ok, autre extrait. Ok. Je tente celui-là. Je sais pas s'il est facile. Star Wars. Non, attends, il est nul, il est mal découpé. Putain. Ah, il est cher. Dommage, hein. Celui-là. Je suis posé, on est. Mais qu'est-ce qui se passe pour ça que ça accélère? Wesh, attends, t'as fait peur, là. Je sais pas pourquoi. Oula. Ça accélère. J'ai rien compris, ça faisait... Attends, j'en essaie, je crois que ça accélère. Monsieur Roy. Attends, je vais redémarrer Voice Meter. Je vous pose une question en attendant.
Okay. Allô. Il a ah, allô. Il y avait le. Je veux jouer. Jouer. Attends. Ah non. M'entendez. T'essaies de faire quoi? Bah tu buzzes là. Ouais, gros débile. Vous m'entendez là? Bon, ouais. On t'entend. Ok. Vas-y. Je retente. Sinon, on pourra plus faire les extraits si ça bug comme ça. Celui-là. Oh non. Je suis posé. On est. Oh non, ça bug. C'est bien. C'est pas. Spider-Man. Vas-y, évitez. Inglourious Bastard. Oh, tu l'as eu en plus. Donnez le point. Inglourious Bastard. Putain, je suis dégoûté, ça bug. Bah, il a juste dit le N-word, bâtard, là. Ça suffit. Non, j'ai entendu la voix bah ouais, de Brad Pitt. Nazi. Attends, comment ça, t'es rare en point? Attends, mais c'est quoi, du coup? Moi, tu l'as eu? Ouais, je ouais, l'ai eu. Ouais. Et c'est quoi? Bah, je carbone, gros, depuis tout à l'heure. Oui, t'es rare, il c'était Inglourious Bastard. Ouais, oh, j'ai derrière écrit, j'ai pas dire qu'il était haut. C'est ça m'a rapporté combien de points, ça? Grim, t'es trop nul. Grim, t'es trop nul. Non, mais en vrai, gros, j'ai eu que des trucs, c'est pas possible. Casse-toi, ramène-moi. En vrai, on l'a eu bien en point, parce qu'il est derrière moi. Question. Vas-y. Ok, hop. C'est parti. Juste prix. Dans Full Metal Jacket, combien de kilos a pris l'acteur qui joue Baleine? 32. Quoi? Il a arrête. Il l'a eu du premier coup? Non. Baleine. Eh, mets-moi 2 points. Je m'en fous. 2 points, wesh. En vrai, 2 points. En vrai, 2 points. Si j'ai eu pour les Tamis Sunshine, il a 2 points. Comment tu sais ça? Tu connais par cœur ou quoi? Mais c'est au hasard. Non, mais j'ai vu le film. Je me suis dit, prise de poids pour passer de maigre à gros. Faut prendre un bon gab. 30. 30, c'est pas assez. Du coup, 2 parce que 35. Snap, j'ai dit au pif. Il aurait pu avoir le rôle comme ça. Il n'y avait pas besoin de demander à quelqu'un. Pas besoin de transfo. Je vois pourquoi ils contactent pas des acteurs gros à chaque fois, au lieu de les faire grossir, là. C'est bon, merde. Bah, ils aiment peut-être bien l'acteur et le jeu, mais ils sont. Bah, t'es pas assez gros, là. Allez. C'est ce Kubrick, allez, là. Kubrick, il l'a humilié pendant le tournage. Il voulait juste. C'est vrai? Non, je sais pas, parce que. Il a l'habitude du. C'est un gros problème, hein. Okay, il aime bien chercher les acteurs. Attends, mais t'écris, Théo, il manque un point, là. Non, mais t'as qu'un point, oh, t'as non, mais il m'en faut deux. Bah, après, c'est juste une question, mec. Bouffon, ouais. Ok, c'est parti, question. La série indienne Rani Mahal sera une adaptation de quelle série américaine? Rani Mahal. Ce sera quoi? Sex in the City. Pff, nul. J'ai hâte de voir ça. Hein. Oh, faut des indices parce que là, vas-y. Je Snow Piercer. Vous pouvez la voir, c'est une série américaine. NCIS. Non. Très connue, série américaine, très connue. Grosse. Friends. Non. Pas humoristique. Ah, comment ça? Breaking Bad. Non. Réfléchis bien, les Indiens, qu'est-ce qu'ils aiment bien? Game of Thrones. Oui, Game of Thrones, Grimal. Il va vous faire une Rani... série. Mais la gueule qu'elle va oh la série. Oh, les dragons en vrai. En plus, ouais, ils aiment bien faire des trucs, tu sais, des trucs, les effets spéciaux. Attends, fouille la map parce que. Ah, pourquoi il y a ta map sur quoi, la genre, question? Tu me fais pas chier, écrit. C'est comme ça, c'est la. Ok. Ok, question 12. Let's go. Ok. C'est parti. Let's go. Dans Piège de cristal, d'ailleurs, 1, l'acteur qui joue l'antagoniste, donc le méchant, joue aussi quel rôle dans Harry Potter? Severus Rogue. Oh, Grim aussi a eu le point. Grim, bravo. Oh, chaud, putain. C'est Alan Rickman qui joue le rôle. Oh, la remontada. Grim, il est en train de vous humilier, les gars. Vous humilier. Question 13. Putain, en plus, tu m'en as dit il n'y a pas longtemps. Oui, ouais. Je me suis dit, il va s'en souvenir ou je vais tester sa mémoire? Ouais, mais j'en souviens, mais c'est trop tard. Ok, c'est parti. Citez-moi les 6 films d'horreur, un point par film, qui ont été nominés aux Oscars du meilleur film aux Oscars. Les 6 films d'horreur. Films d'horreur. Ah merde, non, j'ai pas vu la fin de la question. Films d'horreur, vas-y. Ok, Get Out, putain, Halloween. Il a un ouais, point, Grim a un point. Ajoute un point. Alien. Non. Non. Predator. Vendredi 13. Non. Conjuring. Non. Insidious. Non. Je pense vraiment que ça doit être des films un peu plus indés que ça, donc. Freddy, les griffes de la nuit. Non. Non, mais justement, voilà, c'est les Oscars. Attends. C'est des films. Ghostland. Putain. Non, c'est pas forcément que des films d'horreur. Il y a aussi. Shining. Non. Psychose. Non. Putain, des Oscars, ils auraient. Je crois pas que Hitchcock il est. Chucky. Non. En plus, Chucky c'est nominé. Il y a des. Il y en a vraiment. C'est des classiques des films d'horreur. Les oiseaux. Non. Les Oscars, c'est trop vieux là. Il y a un classique. L'exorciste.
Oui, écrit sur un point. J'allais le dire, j'allais le dire. Il a dit quoi? Il a l'exorciste. Silence des agneaux. Ok, moi je en a un aussi. Non, alors... Yes, j'ai un point. The Thing. Non. Ah non, okay. Je sais pas. Il y en a un, c'est un Spielberg. Il y en a un, c'est un Shyamalan. Oh, Spielberg. Ah, Spielberg. Oui, elle est dans de la merde. Oui. J'en peux plus de peser. Eh, laissez-moi peser, j'en ai marre. Le sixième sens. Oui, voilà. Allez, y en allez, a... c'est bon. Allez, mais c'est bon, allez. Rajoute des points. J'en ai plus. Incassable. Non, c'est fini, Shyamalan. Ah, c'est le dernier. Le dernier. C'est un film avec Nathalie Portman. Ah, casse-toi. Black Swan. Je l'avais. Enfoiré, je l'avais. C'est un film. Black Swan, c'est un film d'horreur. Oui, bah écoute, c'est comme ça qu'il. Oui, ça c'est vague le thème de l'horreur. Ouais, après, c'est vrai. Quand tu parles du truc, c'est les Oscars, ça va pas être Saw 1, tu vois. Saw 6. Bon, allez, on part sur la deuxième. Allez. Sans transition. Ok. Allez, ah, jingle. Film en 4 mots là. C'est okay. Parti, ça commence direct. Meurtre. Ouh là là, ça parle de meurtre. Seven. Comme il a gueulé, non, c'est pas Seven. Dommage. Ok, meurtre. Il est un peu difficile. Enfin, non, ça va en fait. C'est bon. Film. Bah, meurtre-fille. Meurtre-fille. Quoi, c'est Vendredi 13. Non. Je crois que j'ai. Non. Enfin, je suis pas sûr. Mais... Psychose, du coup. Non. J'essaye. Vas-y. Virginie Suicide. Non. Troisième mot. Je sais pas s'il est facile. Trois amis. Meurtre-fille, trois amis. Gone Girl. Un film où il y a trois amis. Avec un meurtre. Fenêtre sur cour. Les trois frères. Laisse ta mère. Tranquille Studio avec Hugo. American Beauty. Non. Trois amis. Il y a pas trois amis. Non. Ah, ok. Oui, c'est vrai. Ok. Attends. Film des années 2000. Comment ça s'appelle? Ouais, ah. Mais est-ce que c'est un film avec des drogués? Bah. Oh, je sais, Requiem in a Dream, okay, la musique sur YouTube là. C'est fini normalement. Sean Penn. Trainspotting. Sean Penn. Meurtre, fille, trois amis, Sean Penn. Alors, y a le film me fait douter, mais je pense que c'est. Oh, sa mère, la puce, Rage. Non. Rage. Attends. Non. Non. Attends, je. Spring Breaker. Mais ta gueule, non, Sean Penn dans Spring Breaker. Je sais. J'ai pas vu. Mais c'est le fille qui me fait. Mais oui, forcément. Mais je sais. Je vais la voir. Je vais la voir. Cherche-le si tu l'as. Vas-y, clique. Il est très triste. Il est très triste. Mais je sais plus le nom. Oh non, il est super triste. Oh, je sais. Casse-toi. Oh, chialé, oh Clint Eastwood. Attends. Poussez-vous. Mystic River. Voilà. T'es raciste là, c'est bon. Oh, j'aurais jamais vu. J'avais un autre film. C'est un classique. Grim, Mystic River. J'ai jamais vu. Peut-être, mais je l'aurais pas eu. Ok. Merci Neoxid pour le sub. C'est bon. Je remercie rien, mec, c'est bon. J'adore tes maisons en Lego, mec. Merci. C'est vrai que Neoxid, il s'était déjà seul. T'avais fait la même blague la dernière fois, Terrash. Allez, ciao. Je m'en fous. Il se recycle, le mec. Ok, oh, celui-là, il est facile. Attends, merde, faut que je vérifie. C'est Visage Acteur, hein, ok. Il est facile parce qu'en fait... Visage Acteur, ok. On la voit partout. Okay, c'est parti. Hop, je la mets. Regardez bien. C'est Angela Merkel. Faut me donner le nom de l'acteur. Oh comment il s'appelle? Si je l'ai, je le... Oh, mais non. Willem Dafoe. Non, quoi? Non. T'es con, mais t'es con. C'est la mort. Ok, écris là. Putain, bien joué. Oh, je l'avais. Ça, c'est l'acteur Twitter. J'allais dire Rima, attends. Bah ouais. Yanis du 9-2. Twitter. Échelle bisexuelle, là. Putain. Ah non, j'ai déjà oublié son nom. C'est quoi son nom? Diane Murphy. Après, ouais, c'est vrai qu'on... On va n'écrire Joe, mais finalement, il est brillant. Bah, il est dernier, quoi. Bah, d'un point de toi, connard. Ouais, je fais le gars, et alors? Ok, haute tête, les gars. J'aime pas les têtes. C'est la broche. Je suis là, vous allez il voir. Il est bien dessiné, le mec. Hop, c'est parti. Let's go. Regardez bien. Admirez mon dessin. Eh ben, ça met 20 ans à s'ouvrir à chaque fois. Eh ben, écoute, tant pis pour toi. Oh, il a fait pas mal. Jackie Chan. Non, mais j'ai mis la bonne, là, pour vérifier. Bruce Willis. Non. Tu as bien dessiné, mais je sais plus comment il s'appelle. Vite. Ah, oh, j'ai oublié son nom. Ah
Je l'ai, super, merci bah, les gars. Bah, je peux faire d'extra audio. Ah si, je peux vous en envoyer un, mais je vais le renommer, attends. Vas-y. Vas-y. Je veux dire, c'est le premier qui le lance, quoi. Bah non, on démarre en même temps. Extrait, je vais l'appeler. Vas-y, je t'insiste. Mais baisez-vous. D'accord, mouette. Pardon. Parce que sans la clé, Samsung. On ne déverrouillera pas ce qu'on n'a pas encore à déverrouiller. Alors, trop facile. Hein. De Pirates des Caraïbes. Exact. Trop facile. Oh, j'ai pas... Vas-y, frère. Voilà, c'est trop facile, mec. Voir. La voix, elle se retenait. Non, mais oui, je suis Jack Sparrow. Ouais. Ta gueule. Je te le dis honnêtement. Extrait. Attends, je vous en mets un autre. Après, si je Vas-y. Fais... Mon player, il... Tu m'as traité de ça. Ok, mais ils sont à fond. Oui, mais c'est le truc Windows, là. Il est pourri. Ok. C'est parti. Salope sur Internet, Marc. Tu m'as traité de salope sur Internet, Marc. C'est pour ça que je voulais te parler si on pouvait juste... Sur Internet. Le film. The Amazing Spider-Man. Non. Des vulgaires animaux. Mais finalement, je l'ai pas fait. Vous pouvez réécouter le début pour le nom du personnage. C'est Chouchou de toi. Ok, Terra. Tellement brillante que ce sentiment. Mais oui. Ah ouais, elle dit Marc. C'est la VF de DC. Tu m'as traité de salope sur Internet, Marc. Je pense que c'est quand il écrit son blog et il l'insulte. Il est insupportable dans son rôle de fils de pute. Lui. Oui, bah... Hé, hey, regardez, ouais, hé, j'ai un comportement un peu autistique. J'adore Fincher, mais hein, putain. Qui a dit... Mais Remly, il a dit American Pie, mais tu veux une baffe dans la gueule. Il a entendu une salope, il s'est dit... Elle a dit tarte, là, quand même. Par contre, Terra vous met une baffe. Hein. Ouais. C'est bon, un gars, il a 30 ans, frère. Pour ça, je voulais Snap parce que Snap il a un bon niveau aussi, mais bon. Il a 30 ans, il voit bien film par jour. S'il vous plaît, monsieur est occupé. On peut je l'aurais défoncé quand même, hein. Il a vu 4 films dans sa vie. Non, mais ça serait peut-être un peu plus serré, genre. Ah oui. Il est toujours pas là. Hein. Mais c'est moi qui est décevant là, il est vieux de ouf. Question 14. Question 14. C'est ta mère, c'est parti. Donnez-moi le nom du James Bond, l'acteur du James Bond de 95 à 2002. Quand il s'appelle bah oui, c'est le nom connard. George Clooney. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Sean Connery? Non. Je l'ai. Peter Brosnan. Ok, ouais, voilà. Moi, t'es là. Mais fils de pute, je l'avais, je spam depuis tout à l'heure. Yes. Eh ben tu vas donner ton point à Mouette comme une petite salope. Allez, j'ai mis son point de con. Ça se voit, Théo, il va péter un câble, il va baisser les points. Mais oui. J'ai le pouvoir. Non, mais je suis une conne. Les années 50, genre. Genre, je te jure, ouais. J'avais oublié. Il allait dire Jamaïque. Brésil. Il a dit règle. Ouais, Sean Connery, il a dit. Question 15, les gars. C'est parti. Grim essaye de me vanner. Au Japon, quel acteur a son propre jour dans la calendrier? Non. Japon, oh là là. Oh le raciste. Il a son propre jour, le mec. Celui qui fait ouh ah, comment il s'appelle celui qui est là? Je tente un truc, Jean Reno. Non. Acteur américain. Ah. Non. Je connais. Vas-y. Yes. Steven Seagal. Non. Film d'action, il ah, fait. Ça... Ah, j'avoue, ça j'aurais fait pas mal de films d'action. Jet Li. Non. C'est de quelle année ces films? C'est récent, il en fait encore. C'est un acteur quoi, t'as dit? Gros acteur d'action, très populaire, un des plus connus. Où ça? Bruce Willis, au pif. Beau gosse. Mais du coup, qui est un peu vénéré au Japon. Que s'appelle Chuck Norris. Mais c'est... Putain, il y a qui est vénéré au Japon? Gros film. Oh, The Rock. Non. Acteur très connu, genre beau gosse. Ah, il fait Tom Cruise. Voilà, Théo là, c'est bon. Putain, ah, c'était qui? Beau gosse. Tom Cruise. Jure. Je savais pas, mais non, je savais pas du tout. Il a, il a une dent au milieu. En même temps, il mérite, mais bon. Il a une dent au milieu. Je crois que c'est pour. Je sais plus, c'est pour quel film. Geoff Tomorrow. C'est impossible, j'imagine. Je savais pas. Oui, Geoff Tomorrow, sûrement. Moi, j'avoue, vu que c'est inspiré d'un jeu. C'est peut-être le 7 Samouraï, un truc comme ça, je crois. Je suis pas sûr. Après, Tom Cruise, c'est le goût, donc tant mieux. C'est vrai qu'il est chaud.
Trop fort. Ah, merci Grim pour nous dire. va voir Magnolia, tu vas l'aimer. Hop. Je sais, titre co-ciné pour les cinéphiles en chat. Ok, question 16, les gars. 16 euros. Waouh, ça s'enchaîne. J'en profite, Snap va te faire enculer. Question 16. Bien dit. Hop. Trop transition. Comment s'appelle la garderie avec les jouets dans Toy Story 3, la garderie? La garderie, Good Garden. Sunshine quelque chose, je sais plus quoi. Pas loin, mais non. Je sais que c'est Sunshine. Sundress. Presque, il y a des mots qui sont presque là, ça s'emboîte, ça se... Sunlight. Presque, non. Ah, je l'ai, je crois. Sunny Delight. Le attends, premier ça mot truc, est bon, ça. Terra, mais pas le deuxième. Sunshine Dress Garden. Bon, non, ta gueule, toi, j'ai dit le premier mot est bon. Sunny Garden. Non. Côté. C'est un indice, côté. Mais il arrête de buzzer. Ah, Sunnyside. Non, t'as pas le droit, game. T'as buzzé deux fois d'affilée. Sunnyside. Voilà, t'es ah, non. Voilà, mais quoi? Bah, fallait pas buzzer deux fois d'affilée. Ouais, Grim, tu. Je sais pas comment tu fais, mais t'arrives tout le temps. C'est toujours prioritaire ce chien. Voilà. Vous croyez? Ah, tout le monde veut prendre sa place? On lui dit non, tu buzzes pas deux fois tout le temps. Free Dev, développe un site qui tue Grim Kujo, s'il te plaît. Mais jitter clic, frère. Vous croyez, Nagui dit non, t'as pas le droit de buzzer deux fois de suite? Vous êtes des ouf. Bah oui. Vous êtes trop long. Non, mais nous, c'est notre jeu. C'est mon jeu. Fils de chien. C'est mon jeu. Vous êtes trop long. C'est ma gueule. J'aurais 20 points sans votre règle de mort. Juste 3 points. On pas Grim Kujo aussi. Pas. Ta gueule. Allez, on lui baisse des points. non, deux points, il casse les couilles là. Ok, préparez-vous. T'es dernier, toi. Visage acteur, les gars. Visage acteur. Ok. Ils sont là, mes petits acteurs à moi. Mes petits champignons. T'en as vraiment fait une vingtaine. Bah ouais, bizarre, j'ai fait les choses bien. J'ai fait les choses bien. Il a bien fait ses devoirs. Ouais. Okay. Le mec bosse, quoi. C'est parti. Let's go. Allez, vous l'avez, hein. Vous êtes pas des salauds. Mais ça met 20 ans à charger là. Mais quoi, ça met 20 ans à charger? Ah gueule, c'est bon, c'est chargé. Il y a oh, c'est. Bah, c'est Jimmy Dabeu. DiCaprio. Écrit Dio. DiCaprio. Non. Oh non, arrête. Le mec qui rigole là, le comique, non, c'est trop de mémoire. Ah bah là, je l'ai pas. La petite veine sur le front. La veine sur le front, bah, Squeezie. Mark Wahlberg. Non. Oh non, vous abusez, je l'ai bien fait, sérieux. Je te jure que là, j'ai pas pour l'instant. On en a parlé quelques secondes. Non, vous avez pas de mémoire à ce point-là, là? Tom Cruise! Bah voilà, oui, moi! C'est ça! Il est pas facile à faire, il est pas facile. Mais non, il est pas facile. Ouais, baisse ta grand-mère, fais le coup de ciné la prochaine fois, tu vas voir. Non, mais t'aurais dû mettre un chicot au milieu des. Mais les sourcils, je trouve le regard, je l'ai bien fait, arrêtez. Putain, merde. On peut me sucer, s'il vous plaît, dans le chat? Merci. Ok, c'est parti. Celui-là. Merde, il y a mon réveil qui se... Ah ouais, il est 19h. Attends, il est 19h. Non, mais parce que je fais des siestes. À ouais. Ah, le bouffon, il fait des siestes. Je vous rappelle, mur de cœur dans le chat, j'ai fait une sieste, j'ai eu la fièvre. S'il vous plaît, un max de dons, j'ai eu la fièvre. Quoi. Un max de dons, quoi. Ok, c'est parti. Ça part, dessin suivant. Faut que j'appuie en même temps. C'est parti. Let's go. Ah, ça a mis longtemps, ça upload. Ouais, ça a mis 28 ans, là. Écoute, on allez, pas charge. Pas mal, là. Oh, c'est... Oh, Wes Anderson. Non, mais c'est un réel. Il y a marqué quoi? Acteur Gwes. Acteur Gwes. Keanu Reeves. Non. Ah, j'ai l'ai. Adam Driver. Pourquoi c'est Adam Driver? Grim est disqualifié. Je l'avais aussi. J'en ai marre de ce spammer. Je m'en fous. Là, vous êtes trop lent. Tu fais rien prendre, t'en perds deux, allez hop. C'est bon, dès que t'as fait le pif de 3 mètres de long, on savait qui c'était. Là. Mais merde, il manque un point là. Mais t'as de flamme, t'as 16 points là. On dirait les petits riches qui se plaignent d'avoir perdu 10 centimes, genre. Oh non. Mais non, c'est Grim, il me rattrape, je l'avais. Il y a une meuf au supermarché, elle m'a demandé 1€. J'ai dit, ah, je suis désolé. Une meuf enceinte qui voulait passer, tu lui as dit ta gueule, tu vois pas que j'ai des chips là à payer? Connasse, va. Bah, l'élever, va. Ton fils, il va pas arriver maintenant, c'est bon. Non, bien. Allez, c'est lequel le prochain? Ok. Celui-là aussi. Bon, je vais le plot d'avant parce que. Oh ouais, ça vaut mieux. Ouais. C'est parti. Let's go. Ok, pour le moment, ça celui-là, va. Celui-là, je l'ai bien fait. Abusez pas, celui-là, je l'ai bien fait. C'est Zoulou.
Comment il s'appelle déjà? Ouais, ouais, déjà, tu t'en souviens plus du tout. Non, je te jure, je vois c'est qui. On dirait. Alors là, pour l'instant, c'est pas là. On dirait donc le fétide. Si, c'est le dégradé que je lui ai fait. Après, j'ai fait un petit effet barbe à moi, mon petit. Voilà, je vois pas du tout là. C'est du droit. Idriss Elba? Oui, mouette, là, oui, mouette. Yes, c'est Kess. Oh, ouais, Idriss Elba. On dirait Yoda, oui. Ouais. Mais ta gueule, Grim. Mais je vais t'enculer ta mère. Voici, disqualifié. La barbe et les cheveux. Non. Parfait. C'est non, mais moi, je croyais qu'il avait une kippa. Parce qu'il avait ouais, un super, truc bah merci. Hein. Super. Il allait dire un... Voilà. Rabbi Jacob. Ouais, j'allais dire autre chose. Super. Bon, alors, du coup, je peux faire un extrait, mais c'est chiant de les renommer à chaque fois. Attends. Ouais, tu t'en fous, F2, et tu tapes n'importe quoi. Ouais, mais le problème, quand je vois le niveau, je vois les films qu'il y a, le niveau, vous allez jamais l'avoir, genre. À part ouais. Terra. Hey, tu ne connais mal, mec. Bah, je te jure que peut-être ouais, moi... Tu réponds Predator encore. Hein. Ah ouais, mais écrit, t'es trop nul, là, en fait, depuis tout à l'heure. Non, mais ça, c'est j'ai une mauvaise passe, là. Ah ouais. Il a un coup de barre, il a un coup de barre. Elle dure une demi-heure, la mauvaise passe. Regardez celui-là. Celui-là, c'est parti. Ah non, ok. Vos noms, les voilà. Monsieur Brown. Non, celui-là, il est facile. Putain, je bouffe le nom du film. Donc Gladiator. Putain, non. Non, pas du tout. Gladiator. C'est bon. Réservoir Dogs. Réservoir Dogs. Mais va te faire foutre, j'allais dire là. Non, mais... il a fini sa phrase. Bravo. Il a dit War Dogs. Réservoir Dogs. J'ai entendu les noms de couleurs là. War Dogs. C'est Minecraft. Vas-y, je vous en envoie un autre. C'est parti. Balance le son. Un Polak et un Shinto. Ah merde. C'est un film. Django Unchained. C'est un film Twitch, hein, c'est pas moi, c'est un film. Parce que t'as encore dépouillé un pauvre aveugle en l'escroquant avec sa main. La mule. C'est qui le nippon? Non, mais presque. Ah oui, c'est un petit gars. Réfléchissez. Le fabuleux test de. Quand il s'appelle Amélie Poulain, t'as dit. Non, Joum. Grand Torino. Oui, voilà. Oh là où il joue le rôle du. Bien joué. Clint Eastwood fait son cul. J'ai défilé le nombre de trucs racistes, je me suis dit bon, je vais sur le coup. Qui est raciste dans les acteurs, qui vote Trump, ok, Clint Eastwood. Ok, troisième, je le renomme. Mais attends, mais personne n'a reconnu. Dommage que t'aies pas mis l'audio des... Merci, ça va, t'as vu ce qu'il dit dans l'extrait, c'est pas mal quand même. Je dis un mot. C'est Twitch, c'est un extrait audio d'un film. Hein. Hop, on aime le cinéma ici. Ok, celui-là. Je sais pas si. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont donné les extraits dans mon after ciné, petite dédicace. Mais de rien, écoute, pas de soucis. Hop, ta gueule, toi. Ouais, c'est là, c'est parti. Je n'ai jamais frappé le. Non, il est trop facile, il est trop facile. Jamais. Attends. Je ne toucherai pas à un cheveu de sa petite tête. Silence des agneaux. Non. Ce petit enfant de pute. Bon. Alors, la fin, c'est quoi ce bordel? Shutter Island! Non! Hé, ton réveil, frère! Non, mais vous l'avez pas là? C'est un classique, ça! Jamais! Les gars, la voix! Je ne toucherai pas à un cheveu. Un gosse dans un film? Shining? Je sais pas. Bah oui, Shining. Ah bon? Mais je l'ai vu en anglais, en fait! Ah ouais? Oui, mais même! Je m'en souviens pas! C'est dans le bar où il parle avec le barman. Oui, oui. Il dit, ah, avec le démon, là. Mais j'étais pas sûr. Avec le démon, mais il y a Hellboy dans Shining, fils de pute. Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Mais c'est le barman. C'est le diable, non? Je sais plus. Non, mec. Le chat, s'il vous plaît. Le chat, s'il vous plaît. Trop cool. Le démon. Le dragon, là. Avec les vikings, là. Ok, question. C'est parti, question. C'est parti. Question. Quel est le 10e plus gros succès au box-office mondial à l'heure actuelle? Donnez-moi des noms. Harry Potter et les 7 reliques de... Non. Ça sert à rien de continuer, je te dis non. Iron Man 2. Non. Attends, est-ce qu'on peut avoir un indice? Est-ce que c'est un Marvel? La Reine des Neiges. Bon, allez, Grimal point. Ça, il a regarde... au hasard, ça. Non, je regarde tout le temps le box-office. Non, c'est le 2, mais c'est bon, elle l'a, la Reine des Neiges. Je regarde tout le temps le box-office. Oui, tous les soirs, tu prends ton petit croissant, tu regardes le box-office actuel, qu'est-ce qu'il donne, genre, c'est mytho, bah. Mais je te jure, toi, je te jure bizarre, que je regarde. Hein, t'es bizarre, parce que les kilos de baleines, tu l'as trouvé direct, t'es là aussi, là.
Mais je dis, le box-office, des fois, je regarde. Bon, oui, vraiment, oui, des kilos, j'ai trouvé plus ça. Avec son gros journal, là, il regarde. Non, mais je me rappelais que la Reine des Neiges 1, la Reine des Neiges 1 était haut placé, du coup. Oh, chérie, regarde, 32 kilos qu'il a pris, l'acteur. Là, là. T'as vu, Titanic s'est fait dépasser, là, putain. T'as amené les enfants à l'école, là, c'est... Ok, question 18. Avec quel acteur américain a tourné au début de sa carrière dans Le Retour des Tomates Tueuses, acteur populaire américain? Pour te faire foutre, mais c'est quoi, Johnny Depp? Mais c'est non, pas Johnny Depp. Populaire américain. DiCaprio. Le Retour des Tomates Tueuses, c'est son premier film. Il est pas américain d'origine, je crois. DiCaprio. Brad Pitt. Non, mais t'as compris, américain quoi. Non, pas Brad Pitt. Pas loin. Non, pardon, pas fait exprès. Bah vas-y. Mais c'est la merde. Tom Hanks. Non. Moi j'allais le dire, fais chier. Oh bah c'est pas ça. Bah ouais, c'est pas ça. Laurence Fishburne. Non, cheveux blancs. Des tomates tueuses, mais sérieusement. George Clooney. Oui, écrit Viola. George Clooney. Waouh. C'est pas possible ça, c'est du foutage de gueule. Mais à tourner, c'était un de ses premiers films. Le retour. Comme ça, on peut commencer du bas. Hein. Jimmy Labeu. Ouais. Si tu veux, dans ta carrière d'acteur. Après lui, il descend quoi. Bonne chance pour ta carrière comme Poulvord, Jimmy Labeu, on te souhaite bonne chance. Tamara, c'était transition. Vraiment cool. Vrai banger. Le Joker, là, ta vidéo, c'est trop cool, mon gars. Ah, catastrophe. Bref, question 19. Catastrophe. Okay. Bon, 19. Bon, lui, virez-le. Virez-le, je suis susceptible, là, ce soir. La fièvre. Question 19. Qui est à l'origine du scénario du film de Spielberg, AI, Intelligence Artificielle? George Lucas. Non. Non, ça c'est pour Indiana Jones. Putain. Ridley, Daisy Ridley. Non. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Il s'appelle pas Ridley en plus, il s'appelle juste Ridley Scott, je voulais dire. Ah voilà, trop tard. Steph Hawking là, machin. Quoi? C'est un réal. Ah, c'est un réal. Putain. Fincher. Non. Réfléchissez bien, Intelligence Artificielle est sortie en 2001. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le scénario... Kubrick. Voilà, Grimm l'a eu. Kubrick. T'as dit quoi? Kubrick. Et Kubrick, il devait faire le film à la base. Et ouais. Ben, je suis bien content que ce soit Spielberg qui l'ait fait. Arrête, ouais. qu'est-ce que tu racontes? C'est pas de culture, les gars, ou quoi? Les Roy Shutt, là, ils l'ont enchaîné avec trop ça. Bien Kubrick. En plus, putain, les nibards dans Eyes Wide Shut. Je rappelle qu'il a séparé le couple Tom Cruise, l'autre là. Bien joué, mec. Je te félicite. Visage acteur. Hop. Ok. Ta gueule, toi. Ah, mais c'est pour ça, Jimmy Labeu et Gael Garcia, ils ont tourné ensemble. Pourquoi? Bah, ils sont plus ensemble, du coup. Bah oui, bah. Ils se sont fait une Kubrick. Ouais. Allez. C'est 19. Le correspondant. Allez, voilà. Allez. Ok. Question. Merde, mon explorateur il bug. Je vais vous le scroller. Ok, c'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. Let's go. Bon, ça charge. Ah, merde. Ouais, c'est bon, ça charge. Ouais. Je vous remets au début. Attends, mais c'est tough. Non, mais c'est Jules là. C'est. J'ai commencé par le haut, par le haut. Attends. Vous allez le reconnaître. Depardieu. Ok, il est. Il a reconnu sa grosse tête. Ah, non, il a fait. Non, il est bien fait. Ah, le double menton, il rend bien. Hein. T'as vu. Ça me suce maintenant, salope. Hein. Bon, allez, ta gueule. Ok, je vous envoie un autre. Ok, parti. Let's go. Vous hésitez, hein, vous vous dites. Tu l'as pas, ça, ouais, ça peut être pas mal de mecs, ça. Ouais, c'est vraiment le mec lambda, là. C'était pas excellent, ça. Ça peut être Bourvil, hein. George Clooney? Non. Ça peut être Bourvil, peut-être. Oh, DiCaprio. Ouais, DiCaprio. Non, mais il faut buzzer. Non, t'as pas buzzer. Ah, pas buzzer. Je l'ai dit avant. Gros, je passe mon temps avec Grimm Cujo, fils de pute. Il buzz avant tout le monde. Parce que d'un coup, tu dois avoir moins de délai sur le site de merde. J'arrive pas à cliquer. Pas de malveillance dans ce live, s'il vous plaît. Merci, on passe à l'autre question. C'est Sean Grimm. Mais Terra, je l'avais dit avant toi et j'ai cliqué avant toi. Je t'ai battu à plat de couture. Mouchette, j'étais mouchette, mec. On passe à quoi là? Ok, dernier film en 4 mots parce que après j'avais pas la place pour en faire d'autres.
Film Vas-y. En quatre mots, je commence. Ok. 20e siècle. 20e okay. siècle. Prédestination ? Non. Bah non mais c'est bon. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il crie oh, je vais te foutre une baffe dans la gueule. 1917 ! Ouais, non, hein, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, ouais, ok. Looper ? Non. 20e siècle, USA. L'essentiel de la gloire ? Non. C'est pas ça, malheureusement pour toi. Boogie Night ? Non. Troisième. Vas-y. Le prestige ? Non. Troisième mot, prêtre. 20e siècle, USA, prêtre. Gang of New York ? Ah ! Non. Je crois que je. Mais 20e ah, siècle, bon, tu sais que c'est pas 1800. Hein. Spotlight. Non, c'est ah, pas Spotlight, ça rêve grave, fait ça de ouf. 20e siècle, c'est 1900, hein, les gars. La liste Schindler. Non. Prêtre. Ah bah non, du coup. Ma prêtre, quel rapport. Mais vous, je vais vous le donner. Spotlight, ça rêve. Non, c'est 2000. Je vais vous le donner, ça va vous. Pétrole. 20e siècle, USA, prêtre, pétrole. Va te faire foutre, ça avec l'autre en plus, de ta règle à venir. Mais je sais plus le nom, je vais l'avoir, mais il faut que j'attende. Non, mais vous l'avez pas, regardez le. Non, mais il y en a aucun attends, qui l'a. Attends, oh, attends, attends, c'est bon, je l'ai, pardon, There Will Be Blood. Putain, mais sérieux. Mais moi, tu l'as même pas. There Will Be Blood, faut que j'attende le nom. There Will Be Blood de. C'est un classique. Thomas Anderson. Putain, j'ai pas vu. Putain, le clochard Grimm, pas trop honte. Non, ça va. Théorie, ah, pour trouver les 32 kilos, il y a du monde. Ouais. Pour les classiques ouais, cinéma, il n'y a plus personne. Pour tel seul, toi. Mais même si tu ne l'as pas vu, genre pétrole, genre film sur pétrole, c'est ça. Mais bon. There Will Be Blood. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon je vais m'énerver, quoi. Ok. Extrait audio. Ok. Oh, bordel. Celui-là, je vous l'ai mis. Celui-là, c'est pareil. Théo, pourquoi t'écris ? Qu'est-ce qu'il fait, Théo ? Qu'est-ce qu'il fait ? Arrête d'écrire, Théo. Celui qui a cliqué dessus, c'est tout. Arrête d'écrire. Ok, c'est parti. Oh, il est con, lui. Il est un peu difficile, je vais vous donner des indices, peut-être. Je me suis rasé le pubis. J'ai bu de la bière en canette. Regardé des films d'Adam Sandler. J'ai mangé des. Attends, je connais. Je l'ai sucé. Plus ou moins. Gone Girl. Oh putain, il a eu Gone Girl. Gone Girl. Il est fort, il est fort. Oh, il est fort. C'est bien vraiment ça. Oui. Et en plus, c'est la version canadienne de française. Ah, je... française ? Ah, je sais pas, c'est... Merci ouais, c'est la canadienne. À ceux qui me l'ont envoyé. Je m'en rappelais pas de ce passage. Je peux pas... Désolé, c'est pas trop fort, hein. Je peux pas augmenter le son. On me casse les couilles, mais bon. Ah, oh, bien joué, bien joué. Ta gueule, toi. Renommé. Le problème, c'est qu'il y a que Terra qui trouve les extraits. Franchement, vous abusez, là. Regardez le prochain. J'annonce le prochain, je le trouve. Vas-y, vas-y. Ok, il va pas le trouver. C'est qu'en français aussi. Dis-moi, Larry. Tu as déjà entendu parler du Vietnam ? Un classique, ça. Avec Apocalypse Now ? Non. Douleur, mon gars. Nous avons la certitude que c'est ta copie. On sait que c'est toi qui as tiré la caisse. Full Metal Jacket ? Non. Avec le pognon. C'est vous. Avec le pognon. C'est vous. Big Lebowski. Ok, Terra est là. Bravo, Terra. Vas-y, ah, c'est un tricheur, frère. C'est un tricheur. C'est en plus, putain. C'est reconnaissable. Ça se voit. C'est là, le gros, là, avec ses lunettes, là. Je le reconnais d'entre mille. Je reconnais. celui-là, attends, je vous en fais un dernier. C'est le bouleur là. C'est un extrait encore là ? Ouais, extrait. Attends, faut que je le renomme. Il est où ce bâtard là ? Salope. T'aimes ça ? Ok, celui-là, normalement, vous ouais, pouvez le vrai trouver. Hein, si vous non, avez une... Le fric. Oh, d'accord. Je sens le fric. Ok. Le Loot Wall Street. Ceci pas loin. Votre obligation hypothécaire. Dans la même période. D'accord. Les premiers montages étaient simples. C'était juste. Gatsby le magnifique. Non. Film sur l'argent, là. Réfléchis bien. The Big Shot, The Big Shot. Ouais, Short. Moi, il l'a. Non. Les Drake. Mais normal, tu regardes jamais de films. Théo, t'as mis Le Chant du Loup en top de la décennie. Bah ouais, j'aime bien. Bah, j'ai bien aimé. Non, mais il est bien Le Chant du Loup, mais top de la décennie, faut peut-être pas. Hein. J'aime bien les films français, j'ai le droit. Pff, c'est juste qu'il a vu que ça. C'est ça qu'il a vu. Allez, questions. On repart sur des questions sur les bonnes bases. Ok. Question. Are you ready? Yeah. I am. Ok. Yes. Quel personnage apparaît dans tous les Texan. Mais bande de cons, quel personnage apparaît dans tous les principaux films de la saga Star Wars? Obi-Wan Kenobi. Non. Je l'ai. Anakin Skywalker. Non, je l'ai. Laisse-moi. Bon, je pense pas que ce soit ça. Mais les films principaux. Mais laisse-moi parler. Les Stormtroopers. Ta gueule. Laisse-moi parler. Un personnage. Yoda. Non. On sait. C'est. Mais laisse-moi parler. R2-D2.
Laisse-le à Théo, laisse-le à Théo. Chewbacca. Non, pas du tout. Tu m'as cassé le jeu. Tout ça pour ça. C'est 3PO. C'est 3PO Grimla. C'est 3PO. Théo, je te baisse ta mère. Théo, tous les films. Pas dans tous les principaux, il y en a. Théo, sale merde. Chewbacca, il est dans la prélogie. Théo, des grands cris pour te tromper, ta gueule. Mais ferme ta gueule, toi. Des grands cris pour que ta mère se fasse baiser à côté. C'est bon, quoi. Et ouais. Des grands cris pour masquer les couinements de ta mère à côté, là. C'est bon. Si Théo Smut, vous savez pourquoi. Ta gueule, toi, t'as coupé ta cam quand ton père est passé sur mon live. Ouais, et alors mon père en slip, là, avec sa grosse. Ma mère, j'ai pas baissé comme la pute de mère à Théo. Ça devient de la haine, là. C'est un quiz ciné, les gars. Il y a plus de quiz, là, c'est bon. Ok, c'est parti. Question 21. Dans le dernier film de Tarantino, quel est le nom du personnage joué par DiCaprio? Once Upon a Time. Cliff. Non, c'est pas lui. Le nom entier, hein. En plus, je l'ai pas aimé. Oh, le nom entier, en plus. Quoi, t'as pas aimé? Il était bien. Non, j'ai pas aimé. Indice bah, Lucky Luke. Réfléchissez bien. Sleepy Joe. Ta gueule, on peut rien avoir. Pense à Lucky Luke. Billy the Kid. Non. Ah, Mais si j'ai la moitié, c'est... Joe. Ouais, non. C'est Joe. Non. C'est ah bah, alors moi, je vais vous dire Dalton, voilà. Ouais, Dalton, ouais. Dalton. Ok, le prénom, maintenant. Faut me donner le prénom entier. Pierre. Jack Dalton. Ah, c'est Dalton. Ah, Daniel Dalton. C'est, Le commence prénom, par un R. Ah oui, je sais. Ryan Dalton. Allez. Ryan Dalton. Non, R. Rick. Voilà, Mouette là, c'est bon. Oh, non. Donne un point à Pierre et Mouette en vrai. Oh. Ouais, j'ai fuck. Merci, je gratte. T'as pas donné à Mouette, je crois. C'était si, j'ai mis. J'ai si, il a eu. Il avait 14. Mais tu vois, elle a fermé ta gueule, toi. C'est moi qui fais le quiz, je te rappelle. Ok, autre question, c'est parti. Quel film a le générique le plus long de l'histoire qui dure 14 minutes? Avengers Infinity War. Non, pas du tout. Vieux film. Ah bah, my bad alors, je vais dire Seigneur des Anneaux. Générique de fin ou... Alien. Oui. Non. Un. Non. Vieux film encore plus vieux. Expendables. Arrête de buzzer deux fois. Arrête. Non, c'est plus vieux, c'est plus jeune. On parle du générique de fin, on est d'accord. Le bon, la brute et le truand. Ah, pas loin, Grim. Il était une fois dans l'Ouest. Ok, Grisio, là, c'est bon. Ah si, frère, je suis en que j'ai pas vu. Ah bah ouais, bah écoute. Tu vas chialer, moi, tu vas chialer. J'ai buzzé. Peux parler. Ferme ta gueule, toi. Il m'énerve, ce mec. Allez, enchaîne les questions, là, putain. Face. Je vous fais une face, là. Ok, vas-y. Ok. Ça, c'était deux par vieux. Ok, ça doit être celui-là. C'est parti. Hop, je le lance en même temps. Let's go. Ferme-la, Steam. Pourquoi ça s'est allumé, là? L'avez ou pas, là, les petites salopes? Eh, tout le temps, tu commences tes bonhommes pareils. Les cheveux, ils sont un peu préparés tout le temps, non? Ouais, mais c'est encore, non, mais... c'est encore DiCaprio, là. DiCaprio. Ah, c'est DiCaprio. Attends, il faut regarder le retour de ton live, du coup. Ah ouais, et qui peut regarder, là? Bah, vous pouvez regarder. Ah bah, je l'ai, du coup. Ah bah... Non, mais... Oui, c'est ça. Bruce Willis, du coup. Ah, mais c'est de la triche, regarde le retour du live, frère, ça me dégoûte. Bah, moi aussi, mais regardez le retour du live aussi, connard. Non, mais... gros, mon PC, il est tout pourri. Ah si, à la fin, il est bien fait. Il est tout pourri, mon PC, il supporte pas le stream. Il y avait Snap qui avait... Mais dégage, bah, Snap. Allez, gros tas, là, dégage. C'est... Dégage, là, fallait un bonheur. J'ai toutes les réponses. On est en live, mec. Oui, t'as pas vu les 4 3 quarts des films, allez, casse-toi. Avec Dalton, vous avez mis 10 minutes, wesh. Avec Dalton. Du coup, attends. Bah, du coup, faut que je fasse gaffe à pas me tromper, là, attends. Parce que j'ai pas renommé les trucs par rapport au nom d'acteur. Vas-y. Vas-y, Snap, tu joues avec moi en contre nos points. C'est parti. Non. Parti. Non, c'est parfait. Let's go. Moi, je suis chaud, mais sinon, je m'en vais, hein. Let's go. Quoi? Mais là, on est à presque à la fin, Snap, en fait. Là, c'est un 2 points, c'est que 7 points. Et... Vous l'avez pas? Putain! Mais j'allais le dire! Exact, Terra là. Putain, bien joué, putain! Ta gueule, toi. Oh la barbe, elle est dégueulasse! Mais ferme-la, mais putain, mais lui, à part se plaindre! Et ton slip pourri avec de la merde dessus, on se plaint pas là! Non, mais attends! Il est tout neuf, mais bon. Gros dégueulasse. Il est tout neuf, ah bah. La belle affaire.
Il l'a acheté, c'est à Emmaüs, il s'est dit putain, il est presque tout neuf là, la trace, elle le voit. Ouais, banco là. Qu'est-ce que j'ai comme extrait là encore? Vas-y, extrait audio, je vous l'envoie. Audio. Hop, c'est parti. Let's go. Je le mets. Aucun homme ne peut me tuer. Star Wars. Non. Casse-toi, Grim, par pitié, casse-toi, là, c'est pour moi, là. Le Seigneur des Anneaux, le 3. Exact. Oh, il a vu. Mais lui, c'est un futur du Seigneur des Anneaux, il a vu que ça. Mais ferme-la, c'est un classique du cinéma, monsieur. Il me parle en mode un film indé que personne n'a vu. J'ai vu des versions longues, mais juste lui, il connaît que ça, frère. C'est bon, ils ont tous vu en boucle 8 fois. Et Nito, tu connais quoi à part Kanye West? Et j'ai écouté 2 albums de Kanye West, je suis un spécialiste, genre. Allez, 32 kilos de Full Metal Jacket. Ferme la pecno. C'est une insulte que j'ai inventée, là. Frère, il existe vraiment. Ok, c'est parti. Celui-là, je sais pas pourquoi. Allez, les WAF, ça se lit sur Discord? Ouais. Ok, c'est parti. Non. T'as envoyé? Parce qu'une fois qu'on a écouté, on a envie de rien d'autre. J'étais fier de ma phrase. OSS 117. Ma gueule, tu te fous vraiment de ma gueule là? Non. Parce qu'une fois qu'on l'a goûté. On a envie de rien d'autre. La voix, vous la reconnaissez pas, l'acteur, genre? Bah si, non, mais ça peut être plus dur. C'est Willem Dafoe ou... C'était une très jolie phrase. Mais elle vous a fait rire. Vas-y, je dirais... Trainspotting ou... Non. Les années 2000, le film. Bah l'autre qu'on a dit tout à l'heure avec les drogués, là. Mais attends, mais y en a aucun dans le Discord qui est capable de reconnaître la voix de l'acteur, genre. Théo, Grim, vous faites quoi? Je suis trop nul en voix d'acteur, hein. J'arrive pas à faire. Je sais, je peux buzzer. Mais tu donnes le point à qui? Tu donnes le point à qui si tu veux? Moi. Fais pitié, Fabio. Vas-y. Bon, ok, il l'a. Yeah, c'est quoi, j'ai pas entendu. Snap, faut pas regarder le chat, hein. Non, j'ai pas triché. J'ai écouté l'extrait, je me suis concentré. C'était quoi? C'était prêt. Il s'est concentré. Excuse-nous, il s'est concentré. J'ai mis mes chakras dans ma tête. Ok. Celui-là, c'est parti. Let's go. Je vous aiderai, hein, c'est les trop durs. C'est la guerre, je crois. Expendables. Non. Poussez-vous. Je sais. Merci, The Revenant. Ok, là, putain, bien joué. Ah si. Putain, ça se voit, il va aller chercher le dessert en premier. Poussez-vous, il y a mon plan, là. j'ai encore un. Attends. Ouais, attends, on va faire le dernier extrait. Mais parce qu'après, j'en ai. Attendez, j'ai dit Rocky à la place de Rambo. T'as dit Rambo? Quoi? Ouais, j'entends la guerre, je veux dire Rambo, j'ai dit Rocky. Qu'est-ce que tu racontes? Mais dernier extrait, c'est parti. Tu fais quoi comme métier? Il est facile. Léon. Oh voilà, mais me voit, casse-toi, j'ai vu la jolette, ta mère! Yes! The Cleaner! C'est Léon, connard! C'est Léon, t'es con quoi comme mec? Ah, c'est Léon! Moi, t'as fait deux fois, tu m'encules là, j'en commence à en avoir marre. Dernier, j'en ai fait qu'une seule fois, t'es extra audio, les gars! J'en ai un dernier. Je l'ai pas vu. Putain, retire un point, moi. Vous êtes prêts? C'est parti. Déguisement de lapin ridicule. C'est Warcraft là. Donnie Darko. Oh, il est fort. C'est quoi? Asie, frère. Ouais. Ouais. Oh, j'ai entendu costume de lapin, je suis. Ah, j'allais dire 5ème élément. J'allais dire de Vinci Code. J'allais dire Black Panther, j'ai reconnu. film 4, on les a tous fait. Il me reste 2 questions et 2 visages. Donc let's go. Ok. Ta gueule. Fallait venir avant, la petite princesse là. Tu te torchais le cul, salope? J'ai acheté des œufs. Bon, on est sans fou. Ok, c'est parti. Citez-moi 5 séries TV de la chaîne HBO, 1 point par série. Game of Thrones, Tchernobyl, la série Seigneur des Anneaux qui va sortir. Deux points pour Grim. Breaking Bad. Non. The Wire. Ah bon. Ok, Crisio 1 point. Grim 2 points et Crisio 1. Walking Dead. The Walking Dead. C'est AMC. Ah bon, c'est AMC. Westworld. Oui, donc Grim a 3 points. Je l'ai mis à chaque fois. Il manque 1 point. True Detective.
Eh ben voilà, il a pris les 4 points. 4 points pour Grim. Putain, l'enfoiré. T'as mis un point avec Crisio ou pas? Oui, je l'ai mis, bah, il se rapproche de moi. Non, mais il n'y a pas que les films dans la vie, les gars. Ah ouais, Tchernobyl, merde. Ferme ta gueule. Mais toi, t'es. Eh ouais, les gars, après, on fera un quiz série une fois, tu vas voir. Non, tranquille. Pas la peine. Série, ouais, c'est bien aussi. Oh, je suis trop naze, série. C'est moi qui vais me faire chier à le faire pour que Snap vienne pas. Allez hop, clash et ah bah bonne chance hein. Ah ouais, il va être beau le coup, il a l'air plus vert là. Ok, attends, bah vas-y, je fais un visage, l'avant-dernier visage. Non, pas ouais, visage là. Si, visage. La gueule, la gueule. Ok, il est facile. Il est facile, il est facile. Ici. Let's go. C'est bon. Plus il est rapide en vrai. Oh, il met 20 ans à faire mon truc. Moi. Mais c'est t'as une, vraiment une quoi aussi horrible. Non, non, c'est juste, c'est mon temps bleu. J'ai fait les trucs les plus faciles en dernier. Tobey Maguire. Non. C'est stylé. Vas-y. Personne là, là. Tu peux baiser, moi. Je peux baiser ou pas? Qui t'a dit quoi écrit? Ah, je l'ai. Ah, poussez-vous. Josh Brolin. Non. Non, casse-toi. Ok, dernière question. Je suis une merde, c'est une question. Attends, question ou visage ? Question. Okay. Vous l'avez ? Ok, c'est parti. Ouais. Quel son d'animal est utilisé pour les sons de dino dans Jurassic Park ? L'animal qui est utilisé ? Je crois que c'est des vaches. Non, je sais que j'ai envie de la faire. Des chevaux. Pas des chevaux. La question est ouf, mais je veux pas foutre la merde. Le lynx. Non, pas le lynx. C'est surprenant un peu. Est-ce que c'est le son d'origine, genre il a pas été déformé, c'est vraiment le son d'animal. Je crois que c'est le son d'origine et en plus c'est. Des éléphants. Non. Attends, je vais tenter un truc là, un bois chelou. Girafe. Non. Mais c'est pas. C'est peut-être pas pour Toledino, mais je pense. Koala. Non. Attends, tu parles des rats. J'avoue, ils font un son chelou, gros, les koalas. L'eau, indice eau. Ah, alligator. Non. C'est pas si méchant que ça en fait, ça n'a rien à voir avec les dinos. Tout feu. Quoi? Tout feu. Attends, je crois que je l'ai. Baleine. Non. Putain. Un hippocampe, ça fait pas de bruit. Non. Un chien, je sais pas. Mais t'es drôle, le mot. Plage. Grenouille, crabe ou grenouille. Non. Un crabe qui fait du bruit, bah oui. Plage, un ver de terre. Orque. Non, plage. Baleine. Plage. Gentil. Mi-toi! Je l'ai! Mouette! Ah, tortue! Tortue okay, de mer! C'est une tortue, ça fait un bruit, une tortue! En fait, une tortue, ça fait. Je sais pas si l'anecdote est complètement vraie, mais moi, apparemment, c'est des tortues qui s'accouplent. Et il a pris des sons de tortues qui s'accouplent. Parce que moi, j'avais une tortue dans mon jardin et quand elle baisait, elle Ah, j'avoue, ça peut. Moi, je pensais que c'était un gosse en fait, et qui frappait et il enregistrait les sons pour les dinos, genre. Vas-y, fracasse-le pour les bruits du vélociraptor là. Je sais pas si c'est exactement le truc. Hein. Une anecdote Terre from the Click. Hein. Ok, dernier visage, et après j'aurais plus rien. Bah, j'aurais tout donné, tout okay. Simplement. Ouais. Ok. En même temps, ouais, beaucoup d'un coup pour être ta plus grosse merde. Hein. Putain, ta gueule, t'étais pas long. Ta gueule, toi, ta gueule. Tu peux être pour vous deux. De clochard là. Et il est. Putain, ça m'a coupé vraiment le début de mon live. Il y aura des premières questions, ce fils de pute de live. Vous êtes là ou pas? Ouais. Ok, ouais. Ça va, toi? Let's go. Ready? C'est parti. Okay. Ça met 20 ans à charger, j'en ai marre. Ok, tout le monde, ça met 20 ans à charger. Je clique dessus même quand je clique. C'est Discord, non? Il a des bas de sourcils, wesh. David Bowie! Ta gueule, mais c'est un chanteur! Il ressemble à François Fillon. Hein. Oui, voilà. Il y a un indice avec les yeux, mais je vois pas ce que c'est. Hein. Gros sourcil, acteur gros sourcil. Ah, oh, oh, si je l'ai.
Je crois que je l'ai. Ah, je crois qu'il l'a. Je sais. C'est de la story là. Faut buzzer. Un million d'euros. Faut buzzer. J'ai pas le nom. Je peux. McCullin, un truc comme ça. Non. Oh non. Comment il s'appelle? Il est très connu. Il est très connu. Mais il a fait. Oui, il a fait. Ouais. Faut aller jusqu'au bout des choses. J'arrive pas à savoir ce que c'est l'indice avec la poche sous les yeux. Je vais buzzer, je vais craquer là. On en a rien à foutre, mec. On la ferme. Eugène Lévy, je sais pas. Non, Ocean Eleven. Allez, vous me le donnez maintenant. Ah, oh Georges Clooney. Ok, là c'est bon, bravo. Yes tu l'as fait deux fois, non? Ouais, non, je l'ai pas fait mais deux non, fois. Mais non, Georges Clooney l'avait dit autrefois. C'est une autre question, Georges Clooney. Ah, ok. C'est une patate dans l'œil, Georges Clooney. Oh je pensais que c'était... Il est fatigué, ton Clooney, là. Ah ouais, il est fatigué, là. Attends, venez, je vous fais un dernier film en un mot. J'aurai pas les images, mais vous les entendez. Vas-y, alors, vas-y. Je vous trouve un film. Qu'est-ce que j'ai? On pourrait mettre Zet Everyday. Attends, je commence direct. Gitan. On en vient dans la ville. Attends, je cherche un autre film, juste comme ça. Là. Qu'est-ce que j'ai? Random movie. Ouais. Ta gueule, toi. T'as 0 points. Toto, il a pas de points. Qui c'est a pas de... Ta gueule. Qui est derrière hein bah, toi. Ecrisio et Théorus. T'as 0 points. Ah bah, duel entre Ecrisio et Redus, c'est voilà. La plus grosse merde. Théorus, mais c'est pas grave. Hein. Pardon, t'as plus de points. Il y a des lettres qui ressemblent dedans. C'est juste un R. Ok, je vous en fais. Je vous en fais un dernier. Pauvre. Ça commence par pauvre. Donc, Oliver Twist. Non. Pauvre. Je le fais en impro là. 2005. Oh. Pauvre. 2005. La cité de Dieu. Personne là. Usine. Là, The Factory. Je vous en dis à The Factory hein pas loin Germinal. C'est pas 2005, Germinal, mec. Je sais pas, c'est Factory. Non. Ah, si, je l'ai. Pauvre 2005, usine. Charlie et Chocolaterie. Ok, il l'a. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est bon. J'ai pas dit. Et maintenant, dernier. Oh Factory. C'est bon. Écris dernier, on peut arrêter. Allez, écris dernier, c'est bon, par contre, Théo a presque autant de points qu'il crie, quoi. C'est... Ouais, c'est vraiment une merde. Mais c'est les sons, j'en ai reconnu. Moi, je t'attendais à être plus fort, là, tu me déçois, hein. Monsieur le ciné. Ouais. C'est vraiment une merde. Hein. Si je lui cite pas des films des années 40, c'est fini. Hein. C'est... Mais tout ce qui était film extrait, j'ai du mal. Il y a extrait, des grands cinéphiles. Vraiment une merde, je jette mon pavé dans la mare, si quelqu'un veut faire un quiz, comme ça je peux jouer. Bon, voilà, je dis ça. En vrai, ce serait bien un truc qu'on pourrait tout jouer, mais le problème, c'est qu'il faut quelqu'un qui l'organise. C'est pas grave, moi j'aime bien, là. Continue de les organiser. Ouais. Chien. Bah. Nous, ça nous dérange il pas. Était bien, hein. En vrai, il était bien fait. Moi, ouais, ouais, c'est pas mal. Hein. Cool. Les extraits audio et les dessins, c'est stylé. Après, ouais, les extraits audio, aussi. Ça a bugué, donc c'est un peu chiant. Ouais, moi, j'aimais bien les questions. Ouais, mais vraiment, même si tu l'envoies et qu'on lit, tu l'envoies, ça marche aussi. Ouais, ça marche bien. Ah, moi, il s'est mis, il le passe. Parce que. Merci. J'entends pas assez d'applaudissements là-dedans. Voilà. Encore. Va te faire foutre. Stallone. Bah merci Terra et Snap pour ta participation, vraiment merci. Tu peux y aller maintenant. T'aurais pas pu envoyer ta meuf aller chercher le lait là, elle fout rien dans la baraque. Merci, je lui ai dit de porter des packs d'eau. Routine de la meuf à Terra, je me réveille, je lui chisse la bite. Attends, mais elle a pris une balle perdue là. C'est bon, elle regarde le chat, tu regardes le live ou pas? Mais t'as dit la meuf à Terra là. C'est ça, j'ai dit la meuf à Terra là. Oui, donc Révélateur. Non, c'était la meuf de Snap, je rétablis la vérité. Non, mais je peux te la passer si tu veux, tu iras l'expliquer. Non, mais je m'excuse. Leïla, je m'excuse. Grand respect. Au moins, Leïla, elle est venue dans la caca box là. Merde. Ouais.
Pas comme l'autre. Alors, eh ben merci à tous. Hey, bonne soirée. Cœur dans le chat pour Pota qui a organisé ce super quiz. Plein de un cœur, mur là. De cœur. Allez, je veux voir des cœurs qui envahissent. Ta gueule. Là, je bats tous ceux qui mettent un mur de cœur. Mais le cœur, il va pleurer. Sinon, il va pleurer. Regarde. De merde. Faut qu'il récupère des cœurs à max de heart, les gars. Mais attends, pourquoi personne met de cœur? Mais il y a un décalage de 40 minutes. Ah bah enfin. Putain, vite, ah voilà. Hey, bah, c'est bon. Bon rétablissement, en vrai. Bon rétablissement. Bon, j'envoie ma bite, c'est bon, je comprends. Allô. Regardez. Il va y avoir un décalage. Regardez ce que j'ai fait comme... Tu vas pas montrer la bite que tu nous as envoyée sur la con? Non, non, ouais, non, c'est non, la tienne. Non, elle est en live, au cas où. En live. Ta bite, s'il te plaît. D'ailleurs, vous avez toujours le doute si c'est vraiment ma bite ou pas, genre. Bah oui. Ça le merde. Je pense que c'est la tienne et que t'as un assez gros détraqué pour nous l'envoyer. Parce qu'on l'a pas en détection inversée. Contexte, j'ai envoyé une bite sur le groupe. Ils savent pas si c'est la mienne ou si je l'ai pris sur Google. Et il en est fier en plus, hein. Je préfère l'envoyer sur le groupe Kakabox qu'à des filles sur Instagram comme certains, hein. No comment. No comment. Moi je l'envoie à mes amis. Ni l'un ni l'autre. Bon, ça va, allez, c'est bon. Regarde la vidéo de Jimmy. C'est la blague artiste en tout le monde. Vraiment une annonce.